à l'aéroport de Bâle. Et je sais pas pourquoi je chuchote. On va en Norvège, à Oslo. Ça va être trop bien. Regardez qui je rencontre à la gare. Nandai. Il fait froid. Lévis Crompton. Il fait froid. Il fait froid. Tout à fait, il fait froid, on est en Norvège. C'est là qu'on va dormir pour les prochains jours. Bonjour le chat. On vient de déposer les sacs au shop et maintenant on se dirige vers le skatepark pour une petite session jusqu'à 22h. C'est parti. Un copain qui vient d'arriver, même plusieurs copains qui viennent d'arriver. Lewis, il va essayer de faire le plus long 50 jamais tenté. Australie. Ah non, pas encore. Ah bah tombe dessus, c'est le jeu ma pauvre Lucette hein. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On est samedi, c'est le jour de la compétition et il y en a qui dorment encore. Mais c'est n'importe quoi. Time to wake up. Yo, I'm waiting for fan cup, bloody show. La compétition est sur le point de commencer, du coup on va aller au point des juges. Le contest est déjà terminé, c'est Dante comme d'habitude qui gagne, champion du monde de l'année dernière. En deuxième position on a Oscar qui gagne le golden ticket, donc il ira directement au championnat du monde à Barcelone en juin je crois. Et là maintenant on va aller profiter pour aller voir un petit peu la Norvège, il est temps d'aller voir autre chose que le skatepark, c'est parti. Lewis il doit rentrer un peu plus tôt pour des histoires de famille. Au revoir Benji. I
I still love you. Petit changement de programme, là on se dirige vers l'ouest de la Norvège, donc on va se taper je pense 700 km en voiture pour aller voir demain le rocher hyper connu que vous avez sûrement déjà dû voir en photo, avec une chute, je crois que c'est 600 mètres de haut. Donc voilà, on va essayer de prendre une photo en trotte dessus. Donc on a pas mal de marches à faire avec la trotte et sac à dos, le drone et tout ça, et on va essayer de faire la marche jusqu'en haut et de prendre une photo en trotte sur le rocher. Ça fait à peu près une heure et demie que j'essaie de les réveiller. Ils en sont toujours là. On est parti pour Pulpit Rock. C'est un rocher qui est hyper connu. On va essayer de prendre une photo en trotte dessus. C'est pour ça que j'ai la trotte derrière. On ne sait pas encore quel temps il fera là-bas. Ça va être un peu le challenge. On est arrivé. Maintenant, on a un bon 2 heures de marche pour arriver jusqu'au rocher, et il y a des chances qu'on soit dans les nuages avec un peu de flotte. Il y a une dame qui est venue nous voir pour nous dire qu'en fait c'était pas praticable avec des chaussures normales jusqu'à la moitié, et après il y avait encore de la glace, du coup il fallait qu'on loue des crampons. Du coup là on se dirige vers un shop où on va peut louer des crampons, et comme ça on pourra accéder justement au rocher. Regarde le lac gelé. Ça y est, c'est le moment de mettre les crampons. On est prêt à braver la glace. Je réalise que je vous ai même pas présenté les deux qui sont derrière moi. Donc là, il y a Thane qui est juste derrière moi. Et là-bas, il y a Léo. Ces deux personnes parlent norvégien. Ça fait qu'ils comprennent pas quand je dis petite bite, par exemple. Hein, petite bite. Yeah, bro. Yeah, bro. Bienvenue à Pilpout, magnifique rocher derrière moi que on ne voit pas. Essayer de monter la trotte et de prendre 2-3 photos avec. Ce serait dommage de l'avoir monté pour rien. Mais bon, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. On voit rien du tout. On va essayer de retoucher après sur Photoshop. Mais regardez normalement à quoi ça devrait ressembler. C'est bon, moi je peux piloter mon drone. Il a pas de GoPro dessous. Et voilà, cette aventure norvégienne touche à sa fin. J'espère que vous avez adoré comme moi en tout cas. Et je vous dis... Voilà, bah, tu vois, hein, quand je marche et que je fais pas gaffe, bah, je m'enfonce comme un con. Bah, j'espère que vous avez adoré me suivre. Oh, putain, mais je vais pas y arriver. Hein. J'espère que vous avez adoré comme moi. Et n'oubliez pas... Si, je vais revenir sur le chemin parce que sinon je vais pas y arriver vraiment pour faire cette... Bah voilà. C'est malin, hein. Bah oui, mais quand tu t'aventures en dehors du sentier, aussi c'est des trucs qui arrivent. Donc voilà, cette aventure touche à sa fin. Je vais m'arrêter, sinon je vais m'enfoncer dans un truc. J'espère que vous avez adoré. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de zioter la vidéo de la semaine prochaine. Parce que la vidéo de la semaine prochaine, elle sera vachement bien. Allez, à plus tout le monde. J'ai oublié de vous dire,
Je suis désolé parce que quand j'ai regardé les clips, le téléwhip en fait a pas été filmé. Parce qu'il a pris pas mal de photos et je pensais qu'il filmait aussi, mais en fait non, il a juste pris des photos. Du coup, la prochaine fois je vais revenir et je vais le faire en vidéo, le filmer pour que vous voyez vraiment que j'ai fait le téléwhip.